c'est Ludivine. C'est Julie. De la Discologue Blog. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. J'allais dire challenge, non, c'est un vrai tag. Tag Never Have I. J'arrive pas à prononcer cette merde. Prononce-le à la française. Du coup, c'est le tag est-ce que j'ai déjà fait ou ce que je n'ai pas fait. C'est Amy qui a choisi les questions pour nous, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Moi, j'ai juste pris les questions sur internet, j'ai fait un copier-coller dans un document Word et j'ai envoyé à Amy, j'allais dire à Julie. À Amy, et c'est elle qui a choisi pour nous. Du coup, les questions, on n'a aucune idée. Sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer parce que ça risque d'être long quand même. Du coup, la première question c'est. Est-ce que j'ai déjà fait un vœu après avoir vu une étoile filante? Ah, t'as une pause. Oui, j'ai déjà fait un vœu. J'en ai même fait 8 la dernière fois. J'ai vu 8 étoiles filantes, j'ai fait 8 vœux. J'en ai fait que 2, hein, donc. Mais ils sont toujours pas réalisés, hein, j'attends toujours. Moi aussi, pourtant il y en a. Oh bah c'est bon. Pour une fois que c'est pas moi qui fais tout tomber. J'allais juste dire, du coup il y en a, ça fait au moins 10 ans que je l'ai fait, donc c'est peut-être temps qu'il se réalise. Est-ce que j'ai déjà eu un crush sur une célébrité? C'est bien. Quand même. Non, jamais. Je comprends pas quand même comment c'est possible même. Moi non plus parce qu'on connaît pas la ouais, personne. Enfin, c'est ça. Tu peux aimer une célébrité pour ce qu'elle est. Enfin, non, pour ce qu'elle est, non, tu peux pas. Mais parce que tu, la mais tu peux pas. L'apprécier quand ouais. Même parce que tu vois, il y en a qui partagent beaucoup, surtout avec les réseaux aujourd'hui. Mais je veux dire, pas au point là non plus. Mais genre, aimer la musique ou un film, tu vois. Enfin, son jeu d'acteur. Après, tu peux ça. Aimer la personne, ouais. Tu vois, par rapport aux interviews qu'ils font ouais. Et tout. Mais je pense pas au point d'aimer à ce point là. Est-ce que j'ai déjà essayé une recette BuzzFeed? Comme avant la vidéo, je sais pas ce que c'était alors. Non, moi je savais ce que c'était, mais je n'ai. Enfin, j'ai déjà vu, j'ai déjà regardé, mais j'ai jamais essayé. Mais maintenant, en fait, je pense que j'ai déjà vu, mais j'avais pas compris. Enfin, mais genre, moi, c'est, j'ai déjà regardé vraiment les recettes en entier, tu vois, les vidéos en entier, j'étais à fond, mais j'ai jamais essayé après de les refaire moi-même. Est-ce que j'ai déjà dansé sur un bar? Et non. Pour ce que tu pourrais croire, non, je n'ai jamais dansé sur un bar. J'attends toujours que tu danses sur les tables de la fac, hein. Parce qu'en fait, j'adore danser, je danse tout le temps dès qu'il y a de la musique, ou des fois quand il y a même quand il y a pas de musique. C'est la musique toute seule. Mais non, j'ai jamais dansé sur un bar. De toute façon, j'aime pas. J'aurais peur de tomber déjà. C'est ça. Déjà pour monter sur le bar. Non, après, enfin, que les gens autour de toi, c'est. Oui. Oh, ça me dérangerait pas, mais je suis non, je pense que j'aurais déjà trop peur de tomber moi. J'ai jamais dansé en Central. Dans... Non, pas en Central Park, dans l'autre parc là. Le Getty Park, c'est ça qu'on a été? J'en vais plus. Mais c'est. Oui, mais oui, t'avais dansé ouais. Dans cet autre. Est-ce que j'ai déjà utilisé un emoji dans un texto? Bah, notre vie, tous les jours. Ouais, voilà. Chaque message. Est-ce que j'ai déjà construit un bonhomme de neige? T'as jamais fait de bonhomme de neige? Je déteste la neige. Bah moi aussi, mais en fait, j'en ai déjà fait. J'aimais bien en fait mettre la carotte pour faire le nez. Est-ce que j'ai déjà été aux toilettes dans le noir complet? Et mes cheveux sont en train de m'énerver. Cette question est un peu bizarre quand même, hein. Bah la nuit, fait trop mal aux yeux, hein. Non, même moi dans le jour. En fait, si t'as vu mes toilettes, ils sont même dans le noir, dans le même oui, dans... c'est vrai. Bah moi, c'est dans le jour, donc je n'ai pas le choix. Sinon. Est-ce que j'ai déjà conduit une moto? J'espère jamais. Moi, j'espère jamais en conduire de ma vie. Une Harley, oh là là, ça serait trop bien. Est-ce que j'ai déjà foncé dans une porte vitrée? J'allais mettre un mauvais ton cœur. Non, bien sûr, moi j'ai déjà fait, même dans un poteau, j'ai déjà fait ça. Moi aussi, je me suis fait très très mal. Moi aussi. En fait, une fois, je me suis même pris la vitre et je suis tombée par terre après. Est-ce que j'ai déjà sniffé un marqueur? Il y a même pas une heure. Bah si, quand j'ai fait ce point 4. Moi, je me rappelle plus quand, mais ça m'arrive souvent. Mais... Ah oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai déjà séché un cours? Ludivine en a séché beaucoup, même, hein. Moi pas beaucoup, mais alors elle. C'est ma vie entière. Moi j'ai dû sécher genre 2-3 heures dans toute ma vie. Le mercredi, je détestais le mercredi. C'est... On a remarqué, on était un peu seuls. Hein. Mais non, vous étiez à deux. Est-ce que j'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un de l'université? Moi j'allais dire Ayam. Non, non. C'est mon inconscient. L'inconscient de Ludivine parle un peu trop là. Non, même si on pourrait croire, non. Est-ce que j'ai déjà dormi au cinéma? Non, pas moi. Même si j'aime pas, je tiens et je regarde. J'ai pas dormi complètement. Je me suis légèrement endormie. À moitié d'un œil. Deux films. Ah ouais? La Belle et la Bête. Ouais. Ils sont pas marre de chanter.
Ils vont toujours avec notre fenêtre. Et les animaux fantastiques. Ah ouais. Parce que le soir, j'ai été un soir, j'étais tellement fatiguée que ouais, après la journée de cours, j'ai au cinéma, j'étais comme ça. Est-ce que je me suis déjà habillée au sexe, dans le sexe opposé? Ouais. Bah, sauf si tu... Ça compte si t'étais garçon manqué? Bah, je sais pas. Je pense pas parce que tu t'es pas vraiment habillée comme un garçon. Je veux dire, t'as pas mis le boxer et tout, tu vois. T'as pas dit je mets pas de soutif parce que je suis un homme. J'ai la chance. Ouais, moi aussi. Kéna a pas peur des gros méchants poissons. Bon, au moins ça montre qu'on a regardé. Hein. Oui, est-ce que j'ai déjà regardé Bob l'éponge? Bah, si on connaît la chanson, je pense que c'est qu'on a regardé. Ma fille, Bob l'éponge. Ma mère, elle détestait ça, mais à chaque fois, elle s'énervait quand je regardais. Mais en vrai, tu sais que maintenant, quand je regarde, je me dis que c'était un peu nul quand même. Oh, j'adore encore. C'est mal fait quand même. Ah, mais j'adore. Mais moi aussi. Est-ce que j'ai déjà menti dans ce jeu? Mais dis rien. T'as menti où? Je n'ai pas menti. Non. Moi non plus, mais bon, ça va. De toute façon, elle risque pas de mentir, elle est tout le temps trop honnête. C'est ça. Je devrais peut-être arrêter. Et voilà, on a fini avec ce tag très divertissant en fait. On a appris des choses. Ou pas. Ou pas, hein. Non, c'est pas très nouveau. Ça fait 3 ans qu'on se connaît du coup. Ouais. Ah, surtout que c'était des questions assez basiques quand même, tu vois. Si t'as appris quelque chose pour le Bob l'éponge, non, pour le bonhomme de neige. Ah oui, le bonhomme de neige. Je savais pas qu'elle avait pas fait le bonhomme de neige. Non. J'ai toujours eu horreur de la neige. Moi aussi, mais bon, quand j'étais plus petite, j'étais des bonhommes de neige, quoi. Info sur moi, quand j'étais petite, j'avais peur de la neige. Je sortais pas dehors. Je t'imagine en fait sortir crier et rentrer, tu vois. Ah, j'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à répondre aux questions aussi si vous le souhaitez. Enfin, ça peut être toujours drôle. N'hésitez pas du coup à commenter, à liker et à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et à activer les notifications pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et nous, sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. Peace. Bye. Au revoir.